On n'a rien fait, boss. On n'a rien fait. J'achète le terrain, je te prends pour te donner le travail. Tu viens coucher une femme dedans. Bon, je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas couché. Vous voulez nier? J'ai rien fait. Tu veux nier, mon petit? Je ne suis pas en Kenya, mais je dis la vérité. Je vais vous montrer que on ne fait pas les affaires comme ça avec moi. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Le cachin ici, c'est pour qui? Je suis Afrique. Je suis Afrique des réussites nouvelles. Castelbeer, le goût de la réussite. Douala, quand tu quittes la Yaoundé, après Colby sont là. Tu as marché 30 minutes pour arriver à Bumiébé. Peut-être tu crois que c'est la course. Vois les voitures qui passent, non? Donne-moi ça, donne-moi ça. Dans la voiture, tu baisses ta vitre. Prends la peine de remonter. Ça, c'est le signe de la faiblesse. C'est quelle façon de fermer la porte, ça? Il y a encore des choses qu'on doit enlever là. Tu frappes, poum. Ça, c'est un bien. Je vais me moquer de toi que ton père avait la voiture. Prends ça, tu poses là. Non, ça va me salir. Regarde comment c'est propre. Et en plus, je n'ai même pas porté les habits de l'échange. Ça veut dire quoi? Ça va me salir, je ne peux pas. Tu allais où, à la messe? Il ne t'a pas dit qu'on allait au champ? Est-ce que c'est moi qui devais porter ça? Pardon, porte-toi tes choses. Enfin. Je vais te rappeler un truc. Moi, j'ai déjà deux femmes. Hein. Tu es en train de chercher une troisième place. Ne fais pas comme si tu étais titulaire. Parce que c'est où est l'habit de rechange que tu as? Il était précisé depuis deux jours qu'on va au champ planter les trucs. Il y a les derniers tôles qu'on est en train de finir là-bas au champ. Je peux prendre une autre femme, hein. J'ai mon âme, peut louer. Il peut louer même la femme. Il doit avoir après, il laisse. Et pas comme ça, tu peux voir comme ça, ça t'intéresse. Et t'installes là-bas. Toi, peut-être quand on est femme, ce qu'on doit connaître, c'est seulement savoir faire le micro. C'est pas un métier. Donne-moi ton sac. Tu es en train de chercher la troisième place chez un homme. On t'amène au champ, on t'amène chez nous. Non, ça va me salir. C'est trop propre. Les mêmes gens qu'on voit, on enlève un caisson qui était blanc, ça sort marron. Ah, c'est pour gémir. Moi, je venais ici en pensant que tu venais me manquer le terrain. Toi, tu viens me parler du travail. Je suis venu ici travailler. Que retentionner là-bas. En boîte le week-end, tu m'as fait dépenser 50 000. On venait te monter le terrain. Tu as acheté un terrain dans ta vie.
super femelle. On venait te monter le terrain. Dépêche-toi, les cuisses vont me casser. Mais tu la pèses plus que moi, non? J'ai dit que j'ai quelqu'un qui est au champ en train de travailler. Tu n'as pas pensé que tu peux l'acheter même le manioc? Dépêchez-vous. Le Trixie va me casser les reins. Le Trixie va me casser les reins. Le monsieur ici, vision confort. Peut-être tu crois que c'est les animaux qui sont ici. Là-bas en bas, c'est Congel Camp. Un peu plus haut, vers le haut là, il y a la nourriture d'Afrique qui a payé ici. Hein? Le roi Arthur Kanye est en train de payer tout l'eau, ce qui en face là, de payer partout là. Il faut créer une école de foot. Tu ne plantes pas, tu ne vas jamais cueillir. Et puis toi-même, tu vois comment c'est pas facile. C'est comme ça, voilà mes journées. Comme ça, tous les jours. Imagine que tu ne verrais pas. Je suis sur le chantier. Et depuis que le boss a dit qu'il arrive, il n'arrive pas. Depuis le matin, il n'aime même pas goûter l'eau. Ben, tu vas pouvoir terminer tout ça aujourd'hui parce que ce travail est encore beaucoup. D'accord, que ça finisse ou pas, il m'en tape. Déjà, même tu es là, c'est le plus important. J'arrête tout. Je me commande pour toi. Sans problème. C'est que tu m'allumes de nouveau. Je sais. On fait alors comment? Comme tu veux. Comme je veux. Tu suis. Attends un peu. Tu regardes souvent le sport. Tu aimes quel genre de sport? Quel style? Le sport. On le voit comme si c'est quoi, même si c'est quoi. Tu regardes le catch? Bien sûr. Tu aimes aussi pratiquer? On peut plus bagarrer ensemble. Mais pas les bagarres de Ngannou. Il tape un peu. Vas-y, un peu, tape-moi un peu. Fort. Et puis, on va voir si tu vas faire la même chose. Je vais te gagner, c'est sûr. Avant ça, là. C'est que tu te reposes souvent. Oui, quand je suis fatigué, quand j'ai fini de travailler, je me repose un peu. Il y a un souci. Viens, toi aussi. Viens. Je croyais que tu étais forte plus que moi. Je te dis ici. Viens, toi aussi. Je parle. Viens. Allez, te va bouche. Pourquoi subitement tu changes de mine? C'est quoi? T'as-tu un souci? Est-ce que tu as dit que c'est ce genre de jeu qu'on devait venir faire ici? Chérie, toi aussi tu connais ma situation. Même tu sais que je suis. Pourquoi toi aussi tu veux aussi me faire réfléchir aussi? C'est quoi? Pourquoi tu as les gros boutons au visage? Mon œil finit, ça fait une semaine aujourd'hui. Fini comment? Ça finit comment? Le lait que j'ai déjà acheté, ça fait pas 4 mois, ça finit comment? C'est quoi? Tu bois seulement ça? Eh, Kiebe, ça fait 3 mois.
pas 4 mois au moins, parce que normalement les de toilette fait 1 mois. Moi je me suis battue pour que ça fasse 3 mois, parce que c'est que tu forces à avoir l'argent, et quand tu me perds, tu fais le maximum d'efforts d'un peu durer avec. Comment tu peux dire 4 mois, toi aussi? Non mais c'est pas ça le problème, on n'a pas un problème de lait, je vais gérer tout ça, tu vois un peu, non? C'est sûr. C'est pas un souci, je vais gérer un problème de lait. D'accord. C'était sucré. Merci, maman, j'aime beaucoup, beaucoup. Maman. Ah bon? Oui. Tu vois la différence que fait à la maison et fait en plein air. J'aurais voulu que ça se passe même dans les herbes. Mais toi, tu as peur, je sais pas pourquoi tu as peur. Déjà, souvent les insectes là. La balle, la balle, mais tant. Tu vois comment ça pousse. Mmh. Le type, c'est où? Je. Allô, boss. Pardon, habille-toi, allez. Il dort. Avec la pression qu'on a. Viens voir la sorcellerie. Vous faites quoi là-dedans? Vous faites quoi dedans? Bien. Je t'ai confié mon chantier ou bien je t'ai confié le dedans? Le chantier. Sortez comme ça. Regarde la sorcellerie. Et sur là, je suis sous pression. Vous lancez mon élevage. Vous faites quoi dedans? Ne mets pas le haut, ne mets pas. Ne mets pas. Tiens, explique-moi ce que vous faites dedans. Sortez. Madame, vous pouvez m'expliquer ce que vous faites dedans chez moi? Boss. Monsieur, vous avez vu quoi? C'est pas sorcellerie ça? Tu étais déshabillé, oui ou non? Non, boss. Vous faites quoi dedans? Boss, on ne faisait rien. Comme je vous attendais depuis le matin, vous n'êtes pas arrivé. C'est mon ami, elle est venue me rendre visite. Est-ce que j'étais autorisé de prendre ici? Vous le tamdi, tu prends une femme comme manœuvre chez moi. Elle n'est pas manœuvre, c'est juste mon ami. Elle est juste venue me rendre visite. Est-ce que j'ai autorisé donc les visites? Ici, j'étais autorisé de travailler avec une femme. Non. Elle fait quoi? C'est mon amie, elle est venue me rendre visite. Comme vous deviez passer depuis le matin. Je vous ai vu tenter de monter de porter le haut, non? Il faisait chaud, non? Donc vous venez vous déshabiller ici, vous venez laver vos sorcelleries ici. On n'a rien fait, boss. On n'a rien fait. J'achète le terrain, je te prends pour te donner le travail. Tu viens coucher une femme dedans? Bon, je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas couché. Vous voulez nier? J'ai rien fait. Tu veux nier mon petit? Je suis pas en craigné, mais je dis la vérité. Je vais te vous montrer que on ne fait pas les affaires comme ça avec moi. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Le cash ici c'est pour qui? N'arrache pas, donne comme ça. On ne fait pas toucher les conneries avec les mains. Ça c'est quoi? Qui t'a autorisé de coucher une femme chez moi? Je construis, tu es encore en pleine construction, tu es en train de tirer le coup dans ta maison. Bon, c'est pas ça. Ne m'appelle pas toi, s'il te vous plaît. Notre contrat était dans ça, tu devais coucher la femme. Non. Et tu fais comment pour venir ici coucher la femme? Bon, je peux pas. Tu sais que c'est la sueur de mon front? Oui, je sais que c'est la sueur de votre front. Parle, je t'écoute.
Boss, vous étiez censé arriver ici depuis le matin. Et vous savez que je n'ai rien à manger. Si j'avais espoir que vous me gardiez même un bout de pain pour qu'elle puisse manger. Et comme c'était tellement chaud sur moi, et mon ami elle est venue me rendre visite. Et pour ne pas rester comme ça, voilà ce qui s'est donc passé. Tu as mangé? Tu as mangé ici chez moi? Pas trop quand même, boss. Je m'excuse vraiment, je suis désolé. Habille-toi maintenant normalement. Toi, tu fais quoi? Tu fais quoi? Viens comme ça. Pourquoi on parle de ça? Tu te recules. C'est normal qu'il vienne bien faire l'amour ici. Comment pouvez me remettre mon cellule? C'est une pièce en convisant. Ça, c'est une pièce en convisant. Je te dis la vérité. Vous ne connaissez même pas où on va aller. Oh, je vais travailler sur cette leçon. Je ne répète pas. Hein? C'est une pièce en convisant. Je te dis la vérité. Ça, c'est une preuve. Vous en dites une preuve. C'est quelle malchance, ça. Quelqu'un souffre pour payer le terrain. Je souffre pour payer les tôles. Je souffre pour me battre comme pour me battre là. Quelqu'un vient sous ça sans finir même mon travail. Il est dedans en train de faire l'amour. Bon, je suis désolé, m'excuse. Allez-y. Ton travail sera avec moi comme ça. Pose pardon. J'ai dit de partir. Et j'ai dit de partir. Moi, je suis quelqu'un qui maîtrise les aides. Je veux pas que tu payes. Tu payes une dent ici chez moi. Ça, c'est chez moi. On veut, tu ne peux pas que tu payes une dent. Montez, alors. Montez, si tu es sage. Avant que la fesse ne parle, monte. Et dis que c'est une pièce. Ça, c'est une comme un preuve. Montez. Donc, mon reste d'argent, vous restez avec. Et te dis de monter. Tu as payé l'hôtel. Considère que tu étais à l'hôtel. Regarde mes tôles. Oh, mes tôles, que le vent va apporter ça. Vous avez loué une chambre d'hôtel. Et tu, même le soutien, je suis sûr que c'est là-dedans. Montez comme ça. Madame, montez comme ça, ne me poussez pas à bout. Ça, c'est qui ça? Ok. Vous avez fait le ralès. Hein? Sale connerie comme ça. On te prend dans les yeux, tu vas en honte. Comme si ton taux de bordelerie a augmenté, comment? Tu trouves un sentier, tu viens de écarter ta mort. Écarter ton ravin ici. Je vais travailler sur ça, son secondaire ici. Tu m'excuses, hein? Ça, c'est. Il y a un capture à prononcer l'argent des gens que j'ai payé ça avec. Ne me poussez pas à bout. Voisin. Mon frère. Depuis là, tu regardais là. Je vois que. Tu ne me casse pas la planche. Ouais. Je vois que tu es dans la situation. Hein, c'est moi. Je veux te causer depuis. J'ai planté les choses là derrière. Et tu cherchais là depuis. Bonjour. Tu vas m'énerver, hein. Ouais, je vais te gifler. Voisin. Ouais, je vais te gifler. C'est encore quoi? Et c'est que ton investissement sur le bas. Voisin. Voilà ce que j'ai investi. Tu as une boutique où on ne charge pas. Tu remets son slip. Voisin. Et les amables sont moi. Peut-être canal, il est vous. Ah, c'est quoi ça? Tu as une zibite. Mon frère, je confie, comme tu vois là, depuis 2 semaines. Le type si. Ton petit que tu m'avais dit. Oui, oui, là. C'est depuis 1 semaine qu'il est là. Il m'avait dit en 3 jours. Mm-hmm. Il finit le truc si. Et je lance comme il était dit qu'il avait fait l'élevage. Oui. Hein? Oui. Depuis là, ça tenait à 2 jours, j'arrive ici, il est en train de fumer. Sa cigarette ne me dérange. Ah. Tout à l'heure, j'arrive là. Et je ne le vois pas. Il fait donc curiosité. Je descends là. Je viens guetter là qu'il est avec une femme. T'es en train de faire l'amour. C'est pas croyable. C'est normal, mon frère. Ta fille a le courage. Hein. Si tu viens faire ça comme ça, le serpent fait pim. Tu vas dire que tu cherchais quoi ici? Tu sais que j'ai pris l'argent au bout pour payer le terrain. Non, moi, je dis même que les femmes donc, qui viennent soi-même faire le charme ici. Là. J'avais vu une ici là dernièrement. Où ça? Là, si, ils étaient non, ils vont trouver ce qu'eux cherchent. Ils étaient assis là. Ils vont trouver. Moi, je suis quelqu'un qui est traditionnaliste. Ils vont trouver. Ah, ils vont trouver. Et quoi? Non, laisse. Je fais comme ça. Laisse, je transpire. Laisse. Mais en fait, il fallait remettre ça, non? Tu vas faire quoi avec ça? Non, je vais travailler sur ça. Si son truc là ne pousse pas. Même Madame Fonny n'avait pas le derrière. Non, tu n'as pas la bonne. Je vais te dire la vérité.
Tu n'as pas d'abord géré le petit là normalement. Je, gère, fait, je viens comme ça le payer. Et tu es venu comme ça le payer. Tu veux que je te fais quoi? Tu manques. Je suis venu le payer. Voici l'argent. Voici l'argent, je suis venu le payer. Comment je fais? Je venais comme ça payer son argent. Et tu vois qu'il a. Il a donc payé l'hôtel. Et lui doit 100 000 francs. Tu as payé une chambre d'hôtel. Tu as payé une sieste à 100 000. Attends, c'est 100 000. Tes femmes aussi mettent. Quand tu regardes mais comme ça, je me suis comme que c'est un cache-nez. Je n'ai pas su que c'était nocif. Là, je ne vois pas le côté. Je crois que c'est un nouveau cache-nez qui est sorti. Coucou, pèse humain. Pèse l'avance du travail, s'il te plaît. Fais ça pour moi. M'appelle pas coucou, hein. Les conneries que tu dis quand tu as besoin de poser un problème. Que n'y a-tu m'en va? Calme-toi, calme-toi. Comment allons, mon frère? Je suis là. Je disais que j'ai planté quelques palmiers là. Ouais. Donc, tout derrière là. Donc, je cherchais comme ça à te voir pour qu'on s'entende. Comme la rigole là, on dit qu'il y a devant avoir une rigole là. Mm-hmm. Il faudrait qu'on commence un peu à regarder les choses par rapport. Comme j'ai mis le palmeret là. Tu sais que le palmeret, ton palmeret s'est traversé. Comment? Là, ça a traversé. Là, c'est chez moi. Hein. Tu as encore recommencé avec tes histoires là. Là, c'est chez moi. Parce tu as encore recommencé avec. Le géomètre, en principe, devait venir ici pour qu'on remesure. Oui. Hein? Le truc sur palmeret là, ça, c'est chez moi. Tu vas voir qu'à côté, j'ai planté une prunière, non? Oui. J'ai mis une prunière là à côté. Je vois. Moi, je me disais que c'était ta limite. Non. T'as mis, c'est chez moi. Mais là, c'est un problème qu'on va gérer. Il y a le chef de quartier qui est encore là. Ok. C'est bien parce que c'est lui qui a loti le terrain. D'accord. Hein? Le géomètre va venir faire son travail. Mais c'est toi qui devais gérer le géomètre. Tu devais venir avec. Je vais venir avec mon géomètre, ça ne te dérange pas. D'accord. Donc, c'était en fait tout ça. Donc, en fonction de comment tu vas commencer aussi ton chantier, ton élevage là. Tu vas je vais tenir compte, il n'y a pas de problème. D'accord, bon. Voisin, je te laisse seulement dans tes... Je traversais pas sous les plans, je passais comme ça. Bon, je te laisse seulement dans tes situations. Mm-hmm. Je vais faire comment? Je ne peux rien dire sur ton chantier. Lui-même aussi. Parce qu'elles sont scellées, ça. Parce que quoi, j'aurais dû appeler des techniciens, même des ingénieurs Fogo pour me travailler ici. Ou les Obama Design. Regarde comment je suis à bout. Ça là va aller à l'ouest. Ça là va aller à l'ouest. Je connais mes compétences dans les herbes. Les docteurs Beka font des recherches. Moi, je peux faire des recherches sur ce site. Je veux voir ce qui pousse la femme à faire la bordellerie. Cette petite toustesse. Je veux voir ce qui la motive dans la bordellerie. On va. Allons, je vais appeler les gars en route là. Je veux qu'affluer quelqu'un en route qui peut veiller ici. Qu'on ne porte pas les tôles. Toi, tu restes. Allons même ensemble. Toi, tu n'es pas aussi simple. Tu as un truc que tu arrêtes en main. Laissez la nature s'occuper de vous. Obtenez votre corps de rêve avec Théa sur ma sœur, I Love My Body.